Camarade, Ali Bongo vient d'être renversé par un coup d'État. Coup d'État au Gabon. Coup d'État sur Ali Bongo. Coup d'État au Gabon. Coup d'État sur Ali Bongo. Voici les militaires patriotes, les militaires guerriers, les militaires, frères, qui ont opéré le joli coup d'État. Le joli coup d'État. Joli coup d'État sur Ali Bongo. Frère, Ali Bongo, c'est fini. Ali Bongo, c'est fini. Chez Camarade d'Afrique, on écoute. Hey. Pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix papa. En mettant fin au régime en place. Frère, on écoute encore le Saint. Pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. La paix est garant des institutions de l'État. La mer est garant de l'institution des institutions d'État. La mer. Ali. Ali Bongo. Vous savez bien, camarade. Ali Bongo, à 4h du matin, il s'est réveillé pour dire qu'il est président. À 4h du matin, il a proclamé les résultats électoraux. À 4h du matin. 4h du matin au Gabon. T'as déjà vu ça? 4h du matin, lui, il a fini de programmer les résultats à 4h du matin. À 4h30, l'armée est venue dire qu'il n'est plus président. Ali Bongo a été président pour son troisième mandat pendant 30 minutes. C'est le mandat le plus court au monde. Regarde, c'est un record. Ali Bongo a fait un mandat, le mandat le plus court au monde. C'est le record. Le record, il a battu le record mondial des mandats les plus courts au monde. Frère, la CEDEAO et puis Macron, ils demandent que c'est au Gabon, ils vont aller préparer leurs forces en attente. Frère, ils demandent que c'est au Gabon, voici l'armée gabonaise qui a pris le pouvoir. Je sais que ceux-là, ils vont se mettre sur la voie panafricaine. Parce que le peuple gabonais, de la manière dont le peuple gabonais était prêt à sortir aujourd'hui, camarade. Comment le peuple gabonais était prêt à sortir? Parce que Ali Bongo, 64%. Il dit qu'il a gagné à 64%. Alors que, ils ont inversé les résultats. Les résultats, là, ils les ont inversés. C'est-à-dire que, où Albert Ondossa a gagné, a dit, on met le nom d'Ali là-bas. Où Albert Ondossa a perdu, on met le nom d'Ali là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont inversé les résultats. Donc, l'armée a vu clair dedans. L'armée sait que si elle ne préserve, c'est pourquoi ils ont dit pour préserver la paix. Pour préserver la paix. Parce que l'armée sait que si elle ne fait pas ce coup d'état là, ce qui s'est passé en 2019 va se faire en 2009, qui s'est passé en 2016, va se produire aussi en 2023 là. C'est-à-dire qu'un canage. Parce que l'armée était prête, les jeunes étaient prêts à descendre dans les rues. La population était prête à descendre dans les rues, malgré les intimidations. Donc l'armée a suivi les choses de bout à bout. Et elle dit, bon, c'est mort, ça suffit. On ne peut pas toujours tuer les enfants du Gabon à cause d'un seul président, à cause de toi. Pourquoi? D'ailleurs, tu n'as pas gagné les élections. Tout le monde a vu qu'il n'a pas gagné. Tout le monde savait qu'il n'avait pas gagné. Mais il forçait. Donc l'armée est venue le renverser très rapidement. On voit maintenant la réaction de l'Union africaine.
la CAC et puis la communauté dite nationale. On va voir un Macron. Ah, diable. On va voir maintenant avec Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh non, Dieu s'est fait les choses. Le Niger va respirer un peu maintenant. Le Niger va respirer un peu maintenant. Depuis la Niger. Ils vont oublier un peu le Niger. Ils vont aller au Gabon. Ils vont dire qu'ils vont aller réinstaller Ali Bongo. Ils vont dire qu'ils vont aller réinstaller Ali Bongo. Personne n'a peur de vous encore. Le virus qui traînait en Afrique de l'Ouest, là. Le virus qui traînait en Afrique de l'Ouest, il s'est déporté en Afrique centrale. Hein. Allez dire ça au dictateur de l'Afrique centrale. Allez dire ça à Sassou Nguesso. Le virus qui traînait en Afrique de l'Ouest, là. Il s'est déporté, il a contaminé l'Afrique centrale. Et ben, il demeure encore en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, il s'est déporté là-bas, non? Il s'est propagé là-bas, non? Après, il va se propager en Afrique de l'Est. Et puis, il va embraser toute l'Afrique. Vous allez voir. Frère, je vous ai dit, la libération de l'Afrique est irréversible. La libération de l'Afrique est irréversible. Personne ne pourra empêcher ça. C'est fini. C'est fini, frère. Barabana. Barabana, pépépéou. Comment on appelle l'Afrique? Non, je suis très content. Je suis ému. J'ai fait un direct. Puis on s'est amusé dans le direct. Et puis j'ai fait. Je suis en train de faire cette vidéo parce que quand j'ai eu la vidéo là, la vidéo des militaires, il fallait que je partage avec ça. Je fasse cette petite vidéo pour vous montrer de quoi il s'agit. Pour appuyer ce que j'ai dit dans le direct. Allez là, Macron, il n'a pas dit que la politique de la France en Afrique est la meilleure. On va voir si c'est la meilleure. Et puis, ils veulent venir installer Ali. On va voir. Ils n'ont qu'à dire ça. On va voir clair dedans. Comment appelle l'Afrique? Partagez cette vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'armée gabonaise. Vive le peuple du Gabon. Gbagbo, président de la République de 2025. Frère, partagez cette vidéo, on est ensemble. Merci.